Eh bien, salut à tous, c'est Vorox. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça me nickel. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve sur du Call of Duty Modern Warfare 3 sur PS3. Je vous montre la jaquette. Voilà. Donc, c'est mon premier Call of Duty. Donc, je l'ai beaucoup, mais alors beaucoup séché. Et je me suis dit, pourquoi pas revenir aux sources dans cette petite vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vu que le mode en ligne, il n'y a personne qui joue, on va tester. On va tester. Je vais rejouer au mode survie, un mode auquel j'ai beaucoup joué et qui j'espère va vous faire plaisir. Donc c'est parti. Alors, contenu sur le disque, on va mettre. Alors, celle que je préférais le plus était résistant, donc c'est celle-ci. Résistance, unité de déminage, chien d'attaque, hélico et mastodon. Alors j'espère que la qualité va pas être trop dégueulasse. Alors là, pour information, je filme avec mon téléphone, mais je suis acheté un petit adaptateur qui est vraiment sympathique, qui me permet de filmer directement avec mon portable. Donc j'espère que la qualité va être bien. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Voilà, sur des anciens Call of. Franchement, j'aimerais beaucoup que ça vous plaise. Comme ça, je pourrais vous en présenter d'autres vidéos. Parce que c'est vraiment des Call of Duty qui ont été oubliés. Ils ont eu leur temps et maintenant, il n'y a plus personne qui joue. Et donc, entre guillemets, je suis ici pour redonner vie, entre guillemets, à ces jeux. Voilà. En espérant que ça vous plaise. Voilà. Et en plus de ça, je me rentraîne parce que j'étais pas très. À l'époque, j'étais assez bon. Et là, il faut que je me rentraîne. Tac. Ouh là là. Eh oh! Eh oh! Eh ben... Putain, le couteau, il est pas top, hein! Putain, j'appuie 3 fois sur le joystick, ça fait rien. Eh ben... Donc là, les amis, on est sur PS3. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? N'hésitez pas à partager la vidéo sur Instagram, voilà, sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, je suis pas très actif, mais bon, si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me rejoignent sur Facebook, je serai peut-être plus actif. Pareil, j'ai un Snapchat, bon, je vous l'ai pas donné parce que je suis pas du tout actif dessus. Par contre, j'ai un Instagram auquel je suis très 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 actif, c'est Vrox-RTB, c'est en description de la vidéo. Et j'ai aussi fait un partenariat où en fait, c'est sur Instant Gaming, je vous en avais fait une vidéo pour montrer comment devenir partenaire. Et il y a des jeux à moins 70% sur PC. Donc ça peut être vraiment très très intéressant, les amis. Oula. Ah ouais, non, mais ça part trop en couille. Cours, 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 cours. What? En plus, je vois les points rouges. Oula. Et oula. Et franchement, c'est chaud, hein. Et putain, les mecs, qu'est-ce que c'est compliqué. Putain, je pensais pas que c'était aussi dur que ça, hein. Putain, à l'époque, j'étais chaud quand même, hein. Et bah, en plus, l'arme que j'ai, c'est vraiment de la merde. Franchement, je vous avoue, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour arriver à la troisième, la quatrième ou troisième manche, troisième ou quatrième manche, hein. Je n'ai aucune idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre. Ah, je sais où je me mettais généralement. Je me mettais ici. Tac. Et à chaque fois. Oh, il y a des chiens d'attaque, les mecs. Ah, ça va être chaud là. Des chiens d'attaque. Les merdes. Il faut vraiment que je charge vite là. Par contre, il faut vraiment que je. Il y a les points rouges qui m'indiquent quand ils arrivent. Donc, ça, c'est vraiment un truc positif.
Allez, venez, venez, venez. Par contre, charge vite, s'il te plaît, charge, charge, charge. Allez, 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 allez. Oh putain! Eh ben, c'est violent, hein. Allez, allez, viens, viens, viens. Il y en a encore deux qui sont là. Il y en a juste deux qui sont là. Non, il y en a trois. Ouais, ils sont pleins. Ils sont partout, les amis. Et toi, tu crèves. Je vais pas te laisser en vie. T'inquiète pas, poteau. Tu vas vous allez tous y passer, hein. Allez-y. Tac, allez, un. C'est excellent. Ils crèvent tous au même moment. C'est énorme. C'est énorme. Je crois qu'en fait, je suis en fait, c'est. C'était mon endroit de camp en fait, je me mettais ici et à chaque fois qu'il y a un mec qui est passé, pra, pra, pra. Par contre, il faudrait juste après que la manche soit finie, que j'aille chercher pour voir s'ils ont des bonnes armes. Par contre, les dégâts. Oula. Ta. Je compte sur vous les amis, un maximum de pouces bleus pour cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Pareil pour la vidéo que j'ai faite par rapport à Call of Duty World at War, voilà, sur le mode zombie. Je compte sur vous vraiment un maximum de pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, donc voilà, vous pouvez y aller. Allez, on les attend encore une fois. Par contre, l'arme que j'ai, elle est vraiment, mais alors vraiment pas terrible. Je me demande si je vais à un moment donné améliorer d'armes, parce que à un moment donné, je crois qu'il y a des mastodons. Voilà. Eux qui arrivent avec des gros. Mitraillette. Et ça rigole pas. Là, ah oui, là autant vous dire que. Va falloir que je sois chaud. Tac, allez, je prends la mitraillette. Je me remets à mon emplacement. Et là, autant vous dire que ça va être le carnage. Allez, viens, petit. N'aie pas peur. Bon, vous savez quoi, il vient pas. Oula. Ouh. Bon, il vient là. Qu'est-ce qu'il fout là? Oh merde. Il est mort comment? Attendez, 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 hein, je veux pas. Voilà. Et lui, est-ce qu'il est bien chargé? C'est bon, là il n'y a rien. Là-bas il n'y a rien normalement. Ouh, allez, allez, prépare-toi, prépare-toi. Ouais, là va falloir, là vraiment va falloir que je chauffe. Je sais même pas quel manche je suis là. Je crois que je suis là. Je sais même plus. Je sais même plus quel. Oh. On se concentre les mecs. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ce mode est énorme. Il y a un mec qui est là. Il est toujours là. J'entends rien, mais je sais qu'il est là. Et là, le pompe va faire son entrée. Tac! Cinquième vague. Et vous savez qu'à l'époque, j'étais pratiquement en cinquième vague. Hein.
Je suis assez content. Je vois que j'ai pas perdu de mon niveau. Je suis toujours aussi fort. Bah, après, vous me direz, hein, tu campes, mais bon. Certes, je campe, mais bon. Cinquième manche sur ce Call of Duty Modern Warfare 3. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un hélicoptère. Je ne sais absolument pas ce qu'il envoie. Oh putain. Oh putain. C'est des drones, les mecs. C'est des drones. Il va falloir détruire les drones. Mais comment je sais, moi? Comment je peux faire ça? C'est des drones. Ouais, non, mais c'est mort, laisse tomber, j'ai rien à pouvoir faire là. Putain, s'il envoie des ennemis en plus là, je suis mort. Comment, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Sérieux, je peux pas. Ok, bon, on va remonter. Bon, ça va vraiment être compliqué là. Allez, envoie des soldats plutôt là. Comment tu veux que je fasse ça, moi? Sincèrement, est-ce que t'as une idée de comment? À part me prendre des balles dans la gueule 15 000 fois, je ne vois absolument pas comment je pourrais faire ça. En fait, en plus, j'ai jamais réussi à détruire les hélicos. Chaque fois, je me suis fait tuer. Et là, dans cette vidéo, il faudrait que j'ai réussi à les détruire, mais... 3. C'est violent. Ouh. Ouh. Ah putain, il est trop puissant. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Ouh là là, ouh là là. On régénère, allez, on régénère, on régénère, on régénère. 3, 2. Oh, c'est chaud. Mais sincèrement, je me demande comment je peux faire pour les détruire, c'est impossible. C'est impossible, je vais crever, c'est sûr, mais c'est normal, ouais, c'est sûr. C'est impossible, comment tu veux que je fasse ça? Comment tu veux que j'étruise des deux hélicos à moi tout seul avec une mitraillette? Je veux dire, à un moment donné, il y a un monde. Faut, je sais pas. Je vais pas crever moi. Oh, oh là là. Oh punaise. Ah, ah, ah. Oh punaise. Putain, faut pas que je crève, hein. Attendez, faut que je trouve un moyen. Oh le con, c'est pas tout ce que je voulais faire. Crève.
Laisse tomber, j'ai crevé. Ceci était totalement prévisible. Hein. Jusqu'à maintenant, je ne suis jamais allé aussi loin. Voilà, comme ils peuvent l'afficher à l'écran, c'est un nouveau record. Alors, vous ne voyez malheureusement pas ce qu'il y a marqué, mais il y a marqué 6208. Donc, c'est sûrement des points. Je vais mettre OK et je vais mettre revenir à l'opération. Donc, résumé parti. Donc, je suis bientôt au niveau 3. OK, bon, rien de spécial. Voilà, les amis. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une vidéo sur le mode résistance en survie. Voilà, donc unité des minages, chien d'attaque, hélico et mastodon. Donc la dernière étape aurait été d'avoir les mastodons. Et je suppose qu'après on aurait eu tout d'un coup. Donc jusqu'à maintenant je suis allé jusqu'au chien de déminage et j'étais mort avant. Et là j'ai quand même battu un nouveau record, donc je suis assez content de moi. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos dessus, et bah dites-le moi en commentaire. Donc il y a encore la map village, interchange et underground à faire en vidéo si vous le voulez. Donc j'attends de voir vos commentaires. Et puis j'espère que vous allez bien évidemment me dire que vous aimez ça. Comme ça bah, je pourrais faire d'autres vidéos dessus. Ça c'est à vous de juger. Voilà les amis, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est vorox-ytb, vorox-ytb. Et à me rejoindre aussi sur... sur ma chaîne YouTube, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez, ciao !